Bon alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Waouh. Cette gueule. Bonsoir, bon matin. Comme on dit ici, bon matin. Je mange un petit déjeuner. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on va jouer à l'excellent Last of Us 2. Voilà. Donc, que demande le peuple? Rien de plus, je crois. Et j'hésite à me mettre en plein écran. Genre comme as. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est... C'est bien. Moi je dis allons-y, bah c'est ça. Parce que je sens que je vais éternuer là. J'ai pas envie d'éternuer quand... Quand tu manges un truc, parce que sinon ça ressort par le pif. Alors, transformer, inverser horizontalement. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on se met en plein écran comme ça? Ou est-ce qu'on se remet en classique comme à ça? Je vire celui-là, là. Ah, mais non, ça c'est pour la... Ouais, non, faut que je garde comme ça. Dites-moi ce que vous préférez. Et puis, allons-y, hein. Moi, je dis allons-y, quoi, c'est... Marrant, soyons, soyons. Salut, dérive. Je sais pas si je peux mettre en... En plein, ouais, c'est pas mal. Je regarde juste si je peux mettre un petit... un contour à ma cam. Dans les options d'OBS directement. Je sais pas si je peux. M'étonnerait, hein. Attends. Cadre. Caméra. Trim. PNG. On va essayer de trouver un truc random. Un peu de gamers. Waouh, c'est très très moche. Tout est immonde. Ouais, c'est très très laid. On va garder comme ça. Hein. Tout est moche sur Internet. Les gens ont des goûts de merde. Bon, go. Ouais, donc on va se mettre en plein écran un peu. Il y a juste pas le chat. Voilà, vous verrez pas le chat sur la rediff. Mais bon, on s'en branle, non? Moi, je dis on s'en branle. Alors, attendez, je vais juste... Là, si je me mets comme ça et que je joue, tac, tac. Ok, il faut juste que je règle la cam vite fait. Comme ça. Comme ça. Pas trop grand. Là, c'est trop bas, du coup. Ah mais attends, cela dit, je peux avec la cam, on descend un petit peu. Oh, pardon, voilà, comme ça c'est parfait. 60 FPS, bah c'est ça, hein. Alors vous le verrez pas malheureusement, mais... Ah, j'ai pas de son. Attendez. Vous avez le son, vous?
Putain, moi je l'ai pas. C'est bon. Allez, go. Dix-neuf jours avant Pokémon. Ah, c'est pas mal, hein. Mois de novembre, ça va être très très lourd, hein. Il y a la Poké Course, il y a God of War, y a Pokémon. Y a mercredi la série de Tim Burton. Et il y a le doc sur Selena Gomez. Donc là, le meilleur mois de l'histoire. Et je rentre chez moi. Donc, quelque part. Moi, je vais prendre violet aussi. Finalement, avec le recul, bah les couilles, je prends violet. Comment est le stream là? Ça va, c'est pas trop flou quand ça bouge comme ça. Dites-moi tout. Putain, mais quel chef-d'œuvre. Rien que là, là, je vis ma meilleure vie. Et pour le son, vous me direz, hein. Un peu faible peut-être le son. Mais bon. Après, comme d'hab. Quand il y a de l'action, ça gueule et. Peux mettre un petit gain. Voilà. J'ai mis un gain en plus de son. Quand tu pètes, on entend fort. C'est marrant, ça y est. Je prends des rives, hein, évidemment. J'en ai un autre, là. T-Martin. Ils appellent ça les T-Martin. Ah, putain, vivement gentil, moi. Alors, qu'est-ce que ça raconte, là? À partir de maintenant, tuez tous les intrus. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Moi, je dis allons-y, quoi. C'est... Oh yeah. Wow. T'en penses quoi? Wow. What the fuck? Les gars, c'est le Gothi là. Comment ça se fait que s'il y a des bugs comme ça? C'est fermé? Ah, faut trouver un autre moyen. Eh ben ici, On peut voilà. essayer. Ah ouais, on peut essayer ma gueule, évidemment. Moi je dis allons-y. Tiro Toto Bibi 300, c'est ça. Oh, le son est peut-être très fort là. Je vais baisser un peu. Voilà. On dirait comment c'est là. Il faut qu'on s'éloigne de l'école. Tout de suite. Il doit forcément y avoir un moyen de rejoindre la rue. On peut jump là. C'est bon, vas-y. Attends, pour courir déjà, c'est quoi? C'est L2. Ouais, L1.
Classique numéro 1. Classical. Oh. Ah oui, ok, d'accord. Ah. Carte. Allez, on embarque les petits cachetons. Faut qu'on descende dans la rue. C'est des jeux, ça? Des jeux à jouer en société. Ah, un truc là? Ah oui. Putain, je chope plein de loot là. Ça fait plaisir. Une balle là-dedans, on n'a pas de la musique classique, nous. C'est très bien la musique classique. Bon, j'en écoute pas, mais... Une ambiance, quoi. On dirait qu'il y a personne. Ouais. Je crois que c'est bon. Tant mieux. Viens voir ça. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. Ah ouais. J'ai lu la lettre. Ça va le son du coup? Jordan, Isaac nous a envoyé en mission pour 2 semaines à la station télé. Les SCAR ont été repérés dans le coin. La photo, c'est au cas où je te manquerai. Vous entendez bien? Parfait. La station télé. Tu crois qu'elle est encore là? Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr. Alors, c'est juste à côté de ces grands immeubles. C'est par là. Ok. Allons choper. Léa, elle est pas antiterroriste. Pardon, j'ai parfois des absences comme ça. Il est pas moche non plus. Je me... J'ai toujours trouvé que Gaëtan Roussel, le chanteur de Louis Attaque, il avait un accent chelou. Et je sais pas d'où vient cet accent. Attends. Bah ouais, mais il faut loot un peu ma gueule, donc on va loot par là. J'ai bien cru que c'était foutu. Hier, il y a un tac-tac, on repart comme ça. Boum, qu'est-ce qui va se passer ici? Merci de m'avoir sauvé d'ailleurs. C'est normal. Alors, eux, c'est les wolves. Et ils ont plein d'armes. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu pensais qu'ils seraient autant avant de partir? Tommy m'avait dit qu'ils pourraient être nombreux. Ça change quelque chose pour toi? Non. Plus ils sont, mieux c'est, en vrai. Pas bon, c'est ça, hein. Fais gaffe, il pourrait y avoir des patrouilles. Il y en a plusieurs qui ont pas essayé de patrouille. Par ici. Combien? Attention, on y va. Oh, attends. J'en ai croisé deux, ils boulent, là. Je suis sûr qu'il y en a plus. Pas mal, hein. Et dès qu'ils auront pigé qu'on n'est plus dans l'école... Et qu'on a... Mais il le fait exprès, l'accent, non? Ils vont mettre le paquet. Je sais pas. Ça, hein. Oh, j'en reviens pas qu'ils aient attaqué sans prévenir. Ces gens sont pas comme nous. On aurait pu être des réfugiés. On aurait pu, je sais pas, avoir des infos utiles pour eux. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent royalement. Ah,
Attends, est-ce que je peux craft des merdes là? Une petite bombe, on y va. Ici, est-ce qu'on a un truc à faire? Ah! On peut faire ça. Fumigène supplémentaire. Putain, je viens d'en faire du coup. Non, c'est pas grave. Spécialiste, c'est quoi ça? Apprendre toutes les améliorations de joueurs d'une branche. Oh. Ok. Ouais, mais non, Ellie, t'inquiète. On va au péteux tranquillement. Elle est pas jolie. Pas moche non plus. Ok. Tina, oh. Il y a du sang. Ouais, bah t'inquiète, on voit. Ah, attends, faut que je m'en mette dans les game, dans le gameplay. Hein. Pourquoi j'ai un fusil sans munitions? C'est fini. Ouais. C'était un zomblard. Je pensais que ça allait être des gaki, moi. Il m'a surpris. Je pensais pas que à peine monté, il allait me sauter à la gueule. Bon, c'est pas grave. Bat, on prend, ça on prend. Des crottes de nez, du Chatterton. Là, on est bien, là. On peut faire une bataclou. À ne pas confondre avec la célèbre salle de spectacle. Des cachetons. On y va. Des balles, ça, c'est cool. On va recharger. Ah non, c'est pas cette arme-là. Vas-y, celle-là. Par contre, je suis en PLS, là, en termes de vie. Là, je suis en grave PLS. Hein. On va se heal, là. Voilà. Allez, on y va. Je sais pas si le bandage, il reste ou s'il se barre au bout d'un moment. Pourquoi ils vous ont pas tué Tommy et toi quand ils en avaient l'occasion? Je sais pas. Il faut. C'était risqué de leur part. Dérive. Peut-être qu'ils sont juste cons. Peut-être que. Quoi? Mais viens là. Après vous, qu'ils en avaient. Et donc ils vous ont lâché. Ouais, après nous avoir mis une belle raclée. Ce connard de Jordan m'a défoncé la tête. C'est vrai, mais pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout? C'est pas important. Ils ont eu tort. C'est clair. Elle s'appelait comment déjà la fille de la note? Celle de la station télé? Léa. Est-ce que c'est elle qui... c'est elle la fille avec la tresse? Non. Tout ce que je me rappelle d'elle, c'est de l'avoir entendue pleurer quand j'ai planté cette espèce de sadique. Alors, comment on va s'y prendre avec elle? On va la faire parler. Faut qu'on sache où trouver les autres. On verra après. Tu comptes lui demander pourquoi ils ont fait ça? Ouais. Est-ce que ça te rappelle des trucs que Joël aurait pu dire sur son passé? Rien de nouveau, non. Tu crois qu'il aurait pu te cacher des choses? Carrément. Il n'était pas du genre à parler de lui. Je me demande ce que Tommy pense de tout ça. Il doit savoir qui Joël avait comme ennemi. Tu vas voir les glandes.
très bien ça. Ça c'est ouf parce qu'on loot 1 milliard de trucs et puis en fait on peut rien hein, craft quoi. Elle est pas jolie. Bon. Ça valait le coup. Ouais. Un beau butin. Alors attends, juste aller voir en bas. Pas utiliser les surins pour ouvrir les portes. Ok. Bon du coup c'est ah, on peut passer par là. Attends voir. Attends voir. C'est Lootland hein, ce jeu. Voilà. Attention Dina, j'arrive. Hop là, on repasse ici. Attends, juste avant. Là, on est d'accord qu'il n'y a plus rien à faire. Ok. Ah, mais attends, là, du coup, on pouvait déjà venir ici. Ok, donc ça veut dire que il faut que j'aille à gauche. Salut Mandrill. Salut Mandrill. D'ici, je vois toujours les immeubles. On y va comment? Voyons voir. Attends. Je me rappelle d'ici. Il y a des connards. Il va y avoir des connards. Ah le... Putain, le popping dégueulasse, hein, c'est quelque chose quand même. Oh! Quel con! Fais me faire avouer! Oh le con! Je me suis trompé de touche! J'ai appuyé sur carré au lieu de triangle! On s'est pas fait gauler quand même, si? J'ai fait ça dans le feutré, hein! Ah, si on s'est fait gauler. Merde. On va
On va se refaire un kit de loin, ça, parce que... C'est quand même important. Putain de merde. Ok. Coup de couteau dans la glotte. Il doit en rester dans le coin. Ah bah peut-être pas. Je crois pas, non. Ah bah voilà. Mission accomplie. Le petit chien est sur la pente raide. Il y en a que tu reconnais. Non. Ouais, elle est grande. Est-ce que tu crois qu'il y a des wolves partout? J'espère que non. On va les voir en face. Ça donne quoi ici? Juste des trucs d'Halloween. Ça tombe bien, on est à la période d'Halloween. J'avais exprès, évidemment, c'était prévu. Tout était prévu. Salut Marty, incroyable. Et hello, ben évidemment. Bonne anthologie. Épisode 4, ouais. Moi, juste maté les 3 premiers pour le moment. Et j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Ouais, ouais, bah, de toute façon, oui, ce genre de truc, ça a été fait un milliard de fois, mais. Tant que c'est bien fait et que ça fonctionne, moi, ça me va, hein. Pas commencer à chipoter. Hein. Il va y avoir d'autres mecs. Ah, il y en a un là-bas. Deux même. Attention, Dina. Tu vois pas les mecs en face? Rien, c'est des putains de traîtres. Au moins avec les Scar, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Comme je viens de le dire, j'en ai rien à battre. Oh oui. Oh oui, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Oh, je me délecte d'avance. Ça dégage. Ciao, Bessimer. Salut, gros porc blond. Quel jeu incroyable. Non, mais sans déconner, quoi. D'autres. Sans déconner. Il est coupé en deux, le mec. Putain. C'est quoi, ça? C'est une jambe? On sait même pas ce que c'est. Il y a du monde partout dans cette ZQ. Comme je l'ai défoncé, quoi. Tu vas l'obliger à parler? S'il le faut. Excellent. S'il le faut. Ça va, calme-toi, Ellie. L'autre, c'est Stallone, là, depuis le début, là. Putain, alors attends, on peut aller par là. On peut aller par là, et oh, et.
Ouais, Last of Us, c'est un jeu couloir, c'est un film interactif. Ouais, bah oui, bien sûr, tout à fait, Jean-Philippe. On est d'accord. Je crois que là, il va y avoir des connards. Ah, attends, juste aller voir en haut avant. Oh putain! La LGB Team Site est là. Incroyable. Attends, il y a des bruits. Ah non, il y a des claqueurs. Waouh. Il y a des mecs là-bas et il y a des claqueurs. En plus. Attention. Côté côte. Ok, nouvelle branche. Oh oui, confection de silencieux. Trop bien. Comment on fait déjà? Et d'accord, c'est directement ici. Excellent. Attends, on peut se le faire, on peut se le faire. Vas-y, nique ta mère! On a abandonné Dina. Coureur à ta gauche. Coureur à ma gauche. Très bien. Ah, le problème, c'est que... Ah oui, puis même pas à ma gauche, devant aussi. Hein. Comment je peux faire, là? Attends. Peut-être me le faire comme ça. Voilà, en fait, on peut se les faire en mode sneaky tranquillement. Qu'est-ce que... Elle m'a fait flipper. Genre, c'est TP pour poser une pêche, l'autre. La pêcheuse. Stested pêcheuse. Allez, go, on y va. Bon, du coup, je sais pas si c'était par là, en fait. Hein. La zone en bas, on l'aura pas fait alors. On va aller voir la zone en bas peut-être. Hein. Vous en dites. Et tout le monde ici? Bon. Le truc c'est qu'il y a des geckis au fond là-bas. Parce que là en fait, ah, c'est assez fat au final. Vas-y, s'il n'y a pas des trucs vers les camions là, vers le camion. Ouais, donc je pense que la suite c'est là alors. Je pense que la suite c'est en bas. Putain, il court bizarrement, Ellie.
Il y a des mecs. Donc là, il y a un mec en face. Là-bas. Là-bas aussi. Ok, ils sont deux. Ok, il y a deux mecs. Oh putain, non. Oh. Putain, j'ai cru qu'il allait me voir. Heureusement qu'il s'est retourné comme un gros con, là. Oh putain, il y en a un autre là-bas. Attends. Il est où? Merde, je vois plus l'autre. C'est quoi ça? Donc je l'y veux? En fait, j'ai peur qu'il soit vraiment... Bon, on y va, on verra bien. Ouais, voilà. J'aurais dû l'attaquer direct. Non, t'as rien vu, t'as rien vu. C'est pas vrai! Oh putain, ils sont 50. Ouais, ok, d'accord. Pas ouf là, hein. Elle est où? Elle est là-bas. Ok. Elle m'a pas vu. Allez, pouah. T'en vois d'autres? Non. La vache. Alors là, tu m'as impressionné. Ils ont envoyé combien de types à ta recherche? Trop. Ah bah un petit établi. Premier établi je crois du jeu. Le monde de Düsseldorf. Pas la ref. Capacité. Mmh. Ah, c'est tout?
Ok. Attends. Ah, du coup, je sais pas si c'était bien... bien intelligent de venir ici. On a loot 2-3 merde, mais... on a perdu un kit de soins. Des balles. Il y a des mecs normalement. Ah! What the fuck? Je t'ai eu. Tombé nez à nez avec la meuf. J'ai plus de balles par contre. Ouais. On a des balles de pompe. Ah, y'a un mec là-haut. Y'a un mec là-haut. Donc deux. Ça va être chaud là. J'ai plus de balles. Il va falloir que je me les fasse au cac. Ouais, c'est chaud. Balek. Active! Arrête-les! Elles sont dans les hautes herbes! Ah ouais, je vais vous attaquer! Ok, parfait. Elles sont parties par là! Ah ouais, c'est tout, c'était ouais. Le dernier. Il y avait pas les mecs en haut. Oui, il a dû descendre. J'avais cru entendre un mec là-haut. Qu'on franchisse le mur du poste de contrôle. Les immeubles sont de l'autre côté. Regarde bien. Bon, je fais un peu ça comme un sagouin. On est parti pour loot. C'est reparti. On va aller voir à l'étage. Yes. Mmh.
Salut Mister Vegeta. J'ai platiné Spider-Man PS4, c'est tout. C'est pas mon délire de platiner le jeu, je m'en tape un peu. Je l'ai fini, c'est déjà bien. Là. Pas ouf lui là. Il vient nous faire chier. Hey, je crois que c'est par là. Salut. Et Mathéo. Mais Mathéo était là tout à l'heure déjà. Ah oui. Ah oui, il était là tout à l'heure. Bon, du coup, Mathéo, c'est quand ton live de fou, là, ce soir? Tu sais l'heure ou pas? Toujours pas? Bon, ça, c'est fait. Et maintenant? Et maintenant? Ah! Alors, attends. Ah, je vais pas pouvoir faire de bombe, là. Les bombes, c'est quand même la vie. Hein. Ouais. Je préfère faire des bombes. Hein. Allez, un kit de soins. Là, on est bien ou pas? Ah. Mode écoute. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de les désactiver, ces trucs. Enfin, de les débloquer, plutôt. Ouais. 22h, 22h30. Ah ouais. Donne-moi la main. Hé, hey, ce bâtiment rond, on dirait la station télé de ta carte. Ouais. Bien. C'est férié demain chez vous? Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Eh ben dis donc. La ferme. J'allais quand même pas te laisser faire ça toute seule. Je suis contente d'être là. Oh merde. C'était quoi ça? Il a foncé dans un piège. Ah. Un quoi? Un piège explosif. C'est pareil, mardi. Regarde ah, bien où tu mets okay. Les pieds. Ferré mardi, mais pas... Non, quoi.
Ça marche. Ah, une petite bouteille. Mais non ! Quel con ! Je voulais recharger mon arme, du coup j'ai appuyé sur R2, mais sauf que j'allais ramasser la bouteille juste avant. Quel handicapé, putain. Ah, ils nous ordonnent, ils sont gentils. Quel con. Là, j'ai été très très con, là. What the fuck? Merde! On décale, je dégage, Dina! Ok. Où est-ce que tu vas? Attends une seconde. Oh la vache. Le message de gros porc long, quoi. J'ai rien calé, mec. Hein. Dina, cette Uber Fro. Ok. Qui marche même air quand toi tu furettes accroupi. Putain. Ah, il y a des belles bites là, regarde. Le mec qui a essayé les queues, c'est marrant, là. Hey, Wolf. J'en vois pas, mais ça veut rien dire. Ban, ban. Débite. Ça, on comprend bien. Ah bah, évidemment. Je crois qu'il faut qu'on descende. Merde, Ellie ! Ah, c'est un petit toboggan. Tout va bien. Allez. J'ai mal aux fesses. Dis, cette Léa, qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas? J'ai pas envie de penser à ça maintenant. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. Balek, hein. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Des dessins, alors. Genre, un pied qui trébuche sur un fil et après, un grand feu. Je suis sûre que je pourrais en bricoler. Je t'aime bien, tu sais. Je veux le voir écrit noir sur blanc. Une fois, j'ai rencontré un pote de Joël
qui avait piégé une ville entière. Les habitants, ils faisaient comment? Il était tout seul. Attends. T'es Billy, il hein? Il avait une ville entière pour lui tout seul? Il était du genre méfiant. C'est triste. Mais ça lui a sauvé la vie. C'est pas comme si on devait choisir. Hé, hey, regarde. Hein? Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout. Tu crois qu'elle a un rapport avec les Wolves? Je sais pas. Trop bizarre. Bill ou Billy? Non, c'était Bill, je crois. Pas Billy. Déjà, ce n'est pas Uber, mais Hunter. Ouais. Il se passe quelque chose. Hunter X Hunter. Allez, go. Je sais pas si on la voit, elle, ça me dit rien du tout. Une meuf des chauves là. Putain de merde. Ils ont été tués par balles. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. Oh. Avec la cup Tierna. Il a dû continuer à pied. Mais c'est pas que l'odeur. T'es sûr que ça ira? Ouais. Eh oui, on sait tout ici. Comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts ici? C'était pas comme ça à Boston, si? Non, il n'y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Est-ce que tu vois la station télé? Ouais, c'est par là. Faut monter. Oh. Encore des cadavres. Tu es par balle aussi. C'est sûr, Tommy est arrivé par ici. Je parie qu'il a pris ce chemin. C'est bien bloqué. Il a mis une... Ok, on passera pas un par un pied là. De biche. Stop. Wow. Piège. Oh, merde. Bien vu. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas... Ouais. On peut pas passer là ? Fasse gaffe. Merde, il y en a partout. Wow. Bon. Pas bête. Ça fonctionne. Ouais. J'ai vu Joël faire ça une fois. Ces herbes hautes, ça me rend nerveuse. Ouais, on a plus de mal à les repérer. On est pas mal. Par contre, attends, faut que j'aille là-bas, moi.
J'ai utilisé les 6 derniers chiffres du numéro de Stacy. Merde. Les 6 derniers chiffres. On a 5501 et il nous en manque un. Numéro de Stacy. Ah ben voilà. Cinq cinq zéro un vingt-trois, ça doit être ça. C'est pas ça. Et c'est raté. On va le faire à l'oreille, hein. C'était 33. J'ai peut-être mal lu l'affiche. Ok. Attends, juste revoir l'affiche du coup parce que ça m'intrigue. Non, c'est bien 23. Hein. Bizarre. Bref. Peut-être ce numéro n'a rien à voir avec l'autre, mais bon. Il y a quand même les mêmes. Bon, 5, 5, 5, c'est normal, mais 0, 1. Ah, ben voilà. C'était écrit là. Passer du bon temps à appeler Stacy. Alright. À l'oreille, ça marche aussi. Hop. C'est un passeport qui s'est collé près du coffre. Je sais pas, faut demander au développeur. Moi, je ne suis qu'un simple joueur. Et je ne peux pas critiquer ce chef-d'œuvre, donc. Pour moi, c'est tout à fait normal. Tous mes passwords sur mon ordi, il y a des post-it avec écrit sur l'écran, à côté. C'est faux, évidemment. Je peux aller là-dedans. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Ils doivent pas traîner dans le coin avec tout ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux. Un établi. Je m'établis à l'établi. Alors. Ouais, Mist. Ouais, t'inquiète, hein. T'inquiète. C'est juste que voilà,
je me stresse pas en me disant il faut absolument que je fasse tel ou tel jeu. Je le fais quand j'ai envie, quoi. Mais ouais, ouais. Bon, il y a encore de quoi faire. Ah, attends. Là, je crois que je peux passer là. Tiens, non, ici aussi. Putain, ouais, là, je suis encerclé. Ça va péter les deux, là, rassure-moi. Ouais, c'est bon. Là, il y en a, je crois. Ouais. Il faut passer sous le camion, je m'en rappelle. Hop là. Ah, attends. C'est préférable d'aller là. C'est la station télé. La station de télé ? Où ça ? C'est quelle est celle-là ? Wow. Merde. Reste en bas, les escaliers sont piégés. Tu peux les déclencher ? Pas ici. Comment on peut faire ? Comme ça ? Je balance un truc comme ça, mais ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être de là, ouais. Attends, parce qu'il faut bien que je vois où c'est. Là-haut. Donc là, si je fais un truc comme ça, ça doit être bon, je pense. Ah, non. Très très bien. Très très bien. Et on n'a plus de briques. Ah, si, y en a une là. Ouais, bon. Attends, ah, attends, peut-être de là. Ça va, c'est bon, c'est cool, c'est cool. On va faire les deux, hein, comme ça on est tranquille. Bah, c'est une blague ou quoi ? Les gars, je vise dans le truc là. Voilà, merci. On fait pas dans la. T'as pété l'autre ou pas ? Peut-être que Léa viendra jusqu'à nous alors. Ouais. Ou alors, ils vont nous attendre avec une embuscade. Une embuscade, c'est un cocktail qui est pas mal. Ah, faut que j'entre là-dedans. Donc ça sera avec grand plaisir. Salut Sikune, bienvenue à toi. Attends, du coup, je peux pas passer là. Ah, c'est pas trop dur comme énigme. On va s'en sortir. Ah, voilà, putain. Ça, je cherchais comment faire dans le 1, parce que comme ils ont changé... R1, ça change d'arme maintenant, quand tu vises. Avant, ça changeait de... Bref. Ou non, c'était L1, je sais plus. On y est. Bref, du coup, c'est carré maintenant. Très très bien. Alors, on observe un petit peu. Tu vois une entrée ? Pas encore. Hmm.
Si on grimpait, si on grimpait, si on grimpait. Oh là 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 là, si on grimpait. La 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 la. Ok, une petite corde là, une petite cordelette. Ah. Vous pouvez faire un truc, non? Allez, maintenant Rambo, tu dois trouver une cordelette. Allez, cherche ta ficelle, mon pépère. Il faut la semaine à l'autre là. Putain. Fais attention. En train de bureau de PPDA, il va être en train de se branler sur une stagiaire. On peut pas casser toutes les vitres. Ah, on peut faire un silencieux ou une autre bombe. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais faire des fumigènes, c'est quand même plus sympa que les silencieux. Ah, par là. La base du journalisme. Message là. Ça vient juste d'arriver. Tu crois qu'ils sont encore là? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes. Une petite carpe. Amène-toi. Amène-toi. Pourquoi? Viens. On loot sévère. Hein.
Je sais plus trop le truc. Je crois que soit on va buter la meuf et après on va se faire attaquer. Ou à un moment on va se faire attaquer. Il y a des randoms qui vont arriver. Oh, comment ça se passe. Est-ce que je peux les péter ces vitres là? Ouais, ok. Ok, bon, j'ai fait toute la zone en haut. Ah, je crois. Merde. Attends. Ah, par là. Ah mais non, là je redescends. Il y a forcément un truc à faire ici. Faut grimper là-haut, non? Faut pas grimper là-haut, genre? Merde, je sais pas où je dois aller. Première fois que je suis bloqué. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Forcément un truc en haut. Ah, ici là. Ah, yes, bien vu. J'aime pas ça. On est trop à découvert. Il faut qu'on regarde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais sois prudente. Ils se sont tous fait démonter là-dedans. Et des balles, je prends. Un petit scaillon. Très très bien. Attends, je viens de là. Ok. C'est elle. Léa. T'en es sûre? Ouais. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle a rien sur elle. Ouais, t'inquiète, j'ai vu un reportage sur PPDA il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Sur YouTube, là.
Assez banon comme gars. Dina. C'est des photos d'eux. Genre ils mettent le nom en dessous et tout quoi. C'est près de Jackson ça. Putain, regarde les souriants. La voilà. C'est elle. Celle qui l'a tuée. Trois de moins, pas vrai. Trois de moins. Si, 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 le secteur 2, vous me recevez ? Unité de soutien India en route vers la station télé, je répète. Unité de soutien Merde. India en route. Ouais, terminé. Faut qu'on se tire d'ici. Ah, le Pueblo, ouais. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est du fake. Il y a moyen que ce soit du bullshit. Hein. J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Parce que... Enfin, c'est très bizarre comme, comme histoire. Quoi. Genre, le même jour que le Vresval et tout, c'est... Moi, j'y crois pas vraiment. Hein. Je pense que juste, il veut disparaître d'Internet. Examiner ses affaires. D'accord. On va avancer dans le centre-ville et trouver un endroit où se barricader. Ok. Bon alors attention. Attends, mais je peux reload encore un peu. Attends, Dina, on va se préparer. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Le Colt Python. Merde. Baisse-toi. Bordel. Ils sont tous morts. Ces enfoirés de Scar les ont tués. On se déploie. Il y a peut-être encore des Scar dans le bâtiment. Faites gaffe. Comment on va Faut que quelqu'un aille prévenir la base par radio. Qu'est-ce que tu fais ? Je les fais descendre. Faut d'abord s'assurer que le bâtiment soit vide. Pas question de les laisser là-haut. C'est pas ça qui les sauvera. Alors bouge-toi le cul. Ok, que tu te battes. Je m'en charge. Vas-y, te couvre. Ah, attends. J'ai ma petite brique au pied. Hein. Je suis bien stuffé aux têtes aux pieds, ça devrait aller. Oh, il y a un mec qui arrive là-haut. Ok, attention, parce qu'avec les espèces de panneaux, on voit rien. Il y avait un mec dans les escaliers là-bas. John, alors ça va ? Ouais, ils sont deux là. Oh, bordel de merde. On run ! Prends le pompe. Allume-les ! Nique ta mère ! Allez ! Allez ! J'ai vu aller de ce côté ! T'as rien vu, ma gueule ! T'as rien vu du tout ! Mais où elles sont, putain ? T'inquiète, t'as rien vu, ma gueule ! Par contre, attends, pour ressortir, c'est par où ? Je crois que c'est là-bas. Hein. Faut que c'est à droite là pour ressortir. Attends. Je les envoie de l'autre côté là-bas. Allez-y, allez-y. Ah, il y va pas lui, putain, enculé. Pas le choix, hein. Colin, t'as trouvé quoi ? Au grand mot, les grands mots, au grand remède, hein, comme on dit. Et hop. La sortie, c'est là-haut, je crois. Ah, une machette. On prend direct.
On peut se barrer ou pas? Ah, je suis obligé de tous les tuer? Oh merde. Pas ouf ça du coup. Pas ouf, on avait réussi à partir là. Bon, on va se les faire. Ah, je peux faire un truc. Améliorer la machette. Ok. Attention. Ok, tu suis exactement le même chemin que ton pote. Y'a rien ma gueule, y'a vraiment rien. T'as rien vu. Regarde, tu vas voir, hop là, y'a plus rien. Y'a plus rien mon pote. Salut Batco. Ta meuf je crois, mais elle peut être dans le coup. Le même jour que quoi? Ah, peut-être, bah, j'espère pour lui. Luvresval, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Il avait 24 aussi, il était jeune. Et il y a eu à peu près le même message sur Twitter, c'est pour ça de ses proches. Donc le même jour, c'est un peu bizarre, tu vois. Après, je comprends les jeux qui veulent disparaître du net. Moi-même, j'ai tout supprimé depuis 3 ans, vidéos, réseaux, etc. Ouais, non, bah c'est normal. Après, te faire passer pour mort, c'est un peu débile, mais en même temps, les gens ne savent pas qui c'est. Il est anonyme. Et en gros, bah, ça lui permet de tout supprimer d'Internet et puis de faire une vie normale sans que les gens sachent qui c'est, tu vois. Donc, moi, ça me choque. Enfin, je trouve ça un peu bizarre comme concept, mais je comprends le truc, quoi. Moi, je suis... Enfin, tu vois, moi je pourrais pas faire ça parce que je suis. Vous connaissez ma tête, tu vois, donc c'est un peu. Bizarre. Salut Batco, je crois que je t'ai déjà dit bonjour. Je te redis bonjour, salut Parker. Pareil, j'ai tout supre, j'ai juste Discord. Et bientôt ta chaîne Twitch, Parker, évidemment. Ils sont où les autres cons là? Il y en a un là-haut. Putain, mais faut les tuer du coup. Putain, je suis un peu deg ça. On va tous les faire venir un par un. Ah putain, attends. C'est Sean, elles l'ont tué. Débusquez-les. Ah oui. Allez, venez là, s'il vous plaît. Venez, j'observe le spectacle. Là. J'aime tellement ça, c'est tellement drôle. Ils vont pas tous venir là, quand même. Ça serait vraiment drôle, quoi. Ce serait vraiment des mange-merde. Bon, ils doivent en rester, mais je sais pas où ils sont. Oh. Mais viens. Mais viens. Viens. Wow. Je crois que le mur l'a carry, non? Non, c'est bon. Il en reste. Et voilà. Non, je crois pas. C'est vraiment trop bien, les bombes. C'est la meilleure chose du jeu, hein. Par ici. Viens.
Ah non, ouais, en fait, fallait tous les tuer pour pouvoir suivre Dina après. Ok, pas ouf, mais on prend. J'ai plus de bombes par contre maintenant. Merde. Où ça? Allez, on jump! Et go! Putain! Dina, faut y aller! Les intrus! Là-bas! Elle tourne avec les scars! Qu'est-ce que tu fais? N'arrête pas! Faut les semer! Enfin! Je savais pas que tu devais tous les tuer. Faut trouver un passage. Dans deux jours, let's play Minecraft avec Sifano. Avec les cocktails, les flèches explosives, ça fait son effet aussi. Et j'ai pas encore l'arc. Donc pour le moment, je peux pas. Mais ça, les bombes, je trouve ça tellement bien, quoi. C'est vraiment... En fait, c'est trop facile, quoi. Tu mets la bombe à un endroit, tu fais du bruit à cet endroit, et tu vas te cacher et t'attends. Et le mongol, il va venir dessus. Et il va péter en morceaux. Coupé en deux, le mec. On met les masques. Ok. Bah, les masques. Ah oui. Faut qu'on avance. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Ouais. Ah, ils sont tous regroupés. Ah, ça doit être cool. Il faudrait que j'attire les claqueurs sur les ennemis, mais malheureusement j'ai pas de truc pour faire du bruit. J'ai pas de bouteille ou quoi. Seul lui? Ouais, il y a son pote derrière. Il y a une brique là. Ah merde. Attention, faites gaffe!
Parfait ça. Parfait. Ah putain, ils sont là aussi. Très très bien ça. Et on ramasse du Chatterton au passage. Et voilà. Et voilà le travail. Dina. On a bien fait chier la direction, c'est ça qui est c'est le principal. Ouvre-toi. On y va. Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Merci. Ellie. Je suis vraiment crevée. Viens. On fout le camp. C'est une impasse. Peut-être par ici? T'as entendu comment il nous appelait? Scar. Je me demande si c'est les Scars qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étrippé tous ces wolves. Putain, y'a que des tarés dans cette ville. C'est clair. Ouais. C'était Putain de merde. C'est passé assez crème, hein. Franchement, je suis assez content de moi. Et en plus, j'ai une autre brique au cas où, donc bien moyen de refaire chier la direction encore une fois. Bordel. T'as déjà vu un truc pareil? Les colosses balancent des spores acides. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que c'en soit un. Il s'est fait griller. Je sais pas contre quoi ils se battent, mais on devrait les laisser s'entretuer. Je suis d'accord. Ah. Ok, j'avais pas vu l'échelle. My bad, j'avais pas vu l'échelle. Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok. Comment on fait pour y aller? Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Faut que j'aille aux toilettes. J'allais dire je m'arrête à l'établi, mais en fait non, parce que même à l'établi... Oh, je crois pas qu'il y ait d'ennemis qui peuvent venir. Je reviens, je vais aux toilettes. Salut, c'est Bino.
Ok, re. Alors. Satisfait de l'offre. Excusez-moi. Hein. Je suis pauvre. Alors, du coup. Bienvenue, Sébino. Il y en a parmi vous qui ont des casques VR. Non, je suis pauvre, donc non. Pas PSVR de la PS4. Ça fait déjà un moment que je l'ai depuis 2017. Et c'est cool, mais je n'y jouerai pas tous les jours. Surtout des bouées qui recettent VR. À des moments, ça foutait la gerbe. Joli flingue en attendant. Perso, j'ai bien aimé l'expérience plus contemplative. Genre, tu voles et tu es dans l'espace. C'est vrai. Mais du coup, le RE8, il y a un mode VR ou pas? Ou c'est plus tard que ça va sortir? Je vois pas pourquoi ils nous permettent d'aller là alors que... On l'a fait il y a pas longtemps, ça. Maintenant j'en ai 7 en plus, est-ce que je peux faire quelque chose? 9! Eh bien, moi je dis allons-y, quoi. Alors Dina, on va where? Ah, il fallait prendre ça. Je pense qu'il faut faire un truc genre comme as. C'est ça. Ça va le faire. Alors, R1 et L, oui. Pour l'instant, RE8, VR... Je pense pas, faut attendre la PSVR 2. Mais ils l'ont annoncé, je crois. Mais donc, ouais, c'est que pour le PSVR 2, alors. Je sais qu'ils ont sorti le truc Halloween, là. Avec le mode TPS et tout. Et le DLC. L'échelle est pétée. Je suis con. Il y a une putain de porte ici. Ça quand tu stimulant. Qu'est-ce que je peux améliorer? Oh, je peux faire un... Ah ben non, les bombes en priorité, évidemment. Qu'est-ce que je peux faire, là? Vitesse de déplacement. Ouais, là, franchement, allons-y. Alors, attends. Ah. Le dessert. Dina, par là. Un autre bureau. On fout le camp, vite. Charles, attention. C'est bon, je m'en occupe. Allez, faut se tirer. Alors attends, parce qu'on est là, c'est très bien, mais... Il y a une sortie quelque part? Sur la gauche. Ok. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah oui.
Ah, c'est toujours compliqué les infectés. Hein. Je les ai eus. Ok, deux molotovs pour les buter. Deux molotovs chacun. Je déteste ces enfoirés. Les enfoirés. Ils t'ont eu ? Non, j'ai rien. Des puants ? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs ? Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants ? J'en sais rien. Mais ils sont horribles. Doute un peu, hein. Faire pas les bonnes habitudes. Allez, on va voir où ça mène. Salut Mathéo, à la prochaine. À ce soir, du coup, si je passe sur ton stream. Ok. Le balancier était mieux fait dans Tomb Raider. Cyberpunk en vue à la troisième. Et par des fans, ça commence à ressembler à quelque chose. Enfin, je crois. D'accord. Cool. Des puants. Comme si on n'avait pas assez d'emmerdes. Que veux-tu ? C'est la nature. Ouais, ben la nature, c'est une sacrée connasse. Ça dénonce par ici. Attends. Tu as encore oublié le code, apporte-moi une canette et je te le donne. Ah
Alors, 15. Enfin, 152, et après, on sait pas. D'accord. Cent cinquante-deux. Ah, c'est le code de la porte. Qu'est-ce que ça peut être? Petite sculpture. Une sculptulador. Je pense pas que ce soit par là. Je pense que vraiment le code doit être trouvable par là. 152? Je vois pas le rapport en fait avec. Non, mais ça doit être dans la salle là. Là il y a des numéros, mais il y a rien qui. Salut Young. Comment ça va mec? 152. Attends, en bas est-ce que. Non. Ah, attends, il y a des trucs. Non. C'est bizarre. Voyons voir. Ouais, c'est ça, et puis il en manque deux après. Attends. Ah, statue gravée. Ah, attends, il y a peut-être un code quelque part, non? Non, il y a une espèce de logo, mais c'est pas ça. Non. Note de la canette. Note du vestiaire. J'ai encore oublié le code. Chope-moi une canette et le code est à toi. Bah ça va tranquille. Écoute, on joue à un chef d'œuvre, donc forcément c'est. Tout va bien quoi. Oh, putain, qu'est-ce que ça peut être? En fait le truc c'est que là dans la salle. Après, peut-être que. Il y a peut-être d'autres indices sur la canette. Le code est. Assez d'indices si tu. Ouais, si t'arrives pas à trouver le reste.
Ouais, c'est que tu... pas la bonne personne. J'arrive pas à comprendre. Après, c'est un truc d'employé, je sais pas quoi, donc tu vois, c'est pour ça que les trucs là comme ça peut être intéressant, mais. Ça me paraîtrait fou que ce soit sur un truc comme ça, parce qu'on voit tellement rien, quoi. Ah, regarde tout ce qu'il y a. Il y a plein de numéros et tout, putain. Mais là, de toute façon, c'est. Il faut que je fasse ça parce que. Après, je pense que c'est un truc annexe. Ah, attends. Ouais, non. C'est un truc annexe, donc. En fait, enfin, j'arrive même pas à voir ce que ça pourrait représenter, quoi. Ça peut pas être une date. Non, ça peut pas être une date. En fait, j'ai peur d'aller dans un autre endroit et que ça déclenche un truc, quoi. Pas pouvoir revenir ici, c'est ça qui me saoule. Les gens de bureau là. Et là, c'est pas comme le coffre, je peux pas mettre au pif, hein. Malheureusement. Putain, mais ça peut être quoi, bordel? C'est pas clair leur truc quand même. Là, franchement, je vois pas où je peux trouver le code. Hein. Parce qu'on est d'accord que si je vais par là, ça va déclencher la suite du jeu, tu vois. J'ai pas envie d'aller par là. Je sais que ça a déclenché la suite. Donc il y a un truc à trouver ici, quoi. Ah ouais, pas mal. C'est pas... Là, honnêtement, en fait, en plus, il y a vraiment rien, quoi.
Il y a rien qui pourrait attirer mon attention, quoi. Les trucs des employés, les machins comme ça sert à rien, ça, clairement. Il y en a dans toutes les pièces, quoi. Là, il y a un truc employé code, mais c'est un plus un truc... Il n'y a pas de numéro, quoi, à part le truc en haut, là. Et il n'y a rien... Enfin, je sais pas, il faudrait qu'il y ait un truc, genre, ultra important. Un truc à deux chiffres ultra important, tu vois. Droit des employés... Parce que ce truc-là, droit des employés, il est que ici. Je l'ai pas vu dans les autres, dans la pièce à côté, par exemple. Et c'est écrit en gros, quoi. Il y a des gros numéros, tu vois. Mais bon. Là, faudrait que j'en retire deux. Et je vois pas à quel moment... Il y a 24 juillet... 2009, 2019, je sais pas. J'arrive pas à lire. Je pense que ça a un lien avec ça, quoi. Ça serait 152 ou 15 2. Ouais. Peut-être que je me prends trop la tête, hein, mais... Bah, les notes, en fait, oui, mais sauf qu'il y a juste un morceau du code, il n'y a pas la suite. C'est ça, le problème. Là, dans mes notes, j'ai une statue gravée. Bon, elle me sert à... Enfin, il y a un truc dans son dos, là, mais... Pour moi, c'est pas des numéros, ça. C'est un genre de logo, quoi. Donc, pour le moment, bah, j'ai ça, et j'ai la canette, quoi. Avec 152, il y a écrit. Putain, attends, je me suis trompé de truc. Merde. Ah, j'ai la canette. 152. Et je vois pas... Et j'ai la note aussi. Mais la note, c'est juste... ouais, t'as oublié le code. Donne-moi un soda. Et le code est à toi. Voilà. Et après, c'est peut-être ça, hein. Peut-être lire le truc derrière. Hein. Mais bon... Y a aucun truc intéressant, quoi. Zoomer. Ah, peut-être que c'est sur le soda. Et en plus, il met assez d'indices. Genre comme si c'était juste des indices, quoi, son truc. Du coup, ça devrait m'indiquer quelque chose. Après, il y a écrit V en bas. Est-ce que V, c'est pas genre 5? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas genre 5 en chiffre romain? Du coup, ça serait... Il y aura un 5 dedans, quoi. Attends, je suis paumé, elle est... Oui. On peut essayer ça. 152 et... Ah, mais non, attends. Ah, mais je me rends compte quand... Putain, mais quel abruti. En fait, je peux appuyer qu'une seule fois sur les chiffres. Donc c'est forcément 34 ou 43, putain. Ok, d'accord, putain. Waouh. Donc c'est 43. Putain, j'ai passé tellement 1000 ans pour rien, quoi. C'est magique. Ah putain, quel con. Ah ouais, et puis alors là, il y a du stuff, quoi. Je suis vraiment un mange-merde. Hein. Là, pas ouf. Hein.
Bon, allez. Bah, fatigué, non. J'avais pas vu, c'est tout. Il doit y avoir un autre passage. J'aime ton optimisme. Oh. Merde. Puant. Ça va aller. T'es obligé de te faire choper dans ces endroits-là, quoi, j'ai l'impression. Dina, tranquille. Là, c'était cool, Dina. T'as bien aimé le spectacle? Okay. J'ai bien envie de me casser d'ici. Pareil. Arrivé d'où parce que c'est à la sortie. Okay. Et je suis perdu. Non, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, un accident de train, peut-être. Merci, Sherlock. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie.
Dina ? Ouais, j'arrive. Jules. Ah, d'accord. Bon, on se rapproche de la lumière. Hé, hey, je vais t'aider à monter. Ouais. T'as trouvé quoi ? Ah, une petite caisse. De petites carpes. Ah, pas mal. Ok. On reste ensemble. On sera bientôt dehors. Passe devant. Bah, passe devant. Bah ouais, mais tu me bloques le passage. Je peux pas trop aller devant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle a failli enlever son masque, eh ? Oui, alors vas-y, fonce ! Ah, elle le jette ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais pourquoi ? Mais non, mais elle l'a jeté sur le mec ! Elle est con, non ? Allez, vas-y, fonce ! C'est par là le jour de gloire, vas-y ! Elle l'a balancé sur le mec, quoi ! Viens mon Betty. Viens. Ça va? Aller courir après le sacrifice de Dina. C'est ça. Et si on se reposait dans ce théâtre. C'est une putain de bonne idée. Tu y es presque. Ben quoi ? Je te tiens. Attends là. C'est bon ? Il y a personne. Le son est décalé, non ? Tu peux me dire ce qui se passe au juste ? Tu me demandes ce qui se passe ? Non, c'est bon.
Ça s'est remis. Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Je t'en prie. Bah si, en fait, la preuve en image, connasse. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu J'ai parles été mordue et il s'est rien passé. La brûlure attend pas. Maria et Tommy et Joël sont les seuls au courant. Été, du coup. Voilà, voilà, voilà. Ah, et voilà. Toi aussi, maintenant. Ah, putain. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Foutu l'arme à l'œil à cause du soleil plein de face. Ah ouais, bah ouais, c'est l'heure des révélations là. Qu'est-ce que tu dis ? Il est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines ? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, j'en étais pas sûre, ok ? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord ? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Le cheval décédé. Je vais aller m'assurer qu'il y a personne. Super, chat qui aime les saucisses. Repose-toi. Ah écoute, t'as qu'à prendre la carte de ton papa pour me faire un don. Il y a peut-être un petit ban qui va tomber, non ? Est-ce qu'il y a des modos dans le coin ? Allez, un petit ban, s'il vous plaît, ça faisait longtemps. Allez, merci beaucoup ! Alors, du coup, on est dans... on est où, là ? Ah oui, on est dans le théâtre. Je coupais du bois. Par cœur, ce père de famille américain, quoi. Ouais. Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Pas mal. Bon, messieurs, on va s'arrêter là. Ah, les gueules, non ? Elle est vénère. Hein. Ah, c'est trop bien les expressions, putain. J'aime trop. Du coup, on va s'arrêter là. Je sais pas si je restream cet après-midi. Il y a Mathéo qui fait son live. Mais bon, il a dit tout à l'heure que c'était vers 22h, 22h30. Donc ça fait un peu tard. Donc il y a peut-être moins que je restream. Et puis du coup, on ira le raid plus tard. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour ce matin, moi je m'arrête là. Ça a dû sauvegarder, je pense. Le théâtre, ouais, c'est bon, ça a sauvegardé.
Donc. Alors, non, ça c'est le plateau télé, rien à voir. Voilà, on est là. Du coup, messieurs, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. La bise à tous. Merci d'avoir été présents et on se donne rendez-vous probablement plus tard dans la journée. Enfin, dans la soirée, du coup. À voir, voilà. C'est pas sûr, mais on verra. Donc, peut-être à tout à l'heure. Ciao tout le monde.